Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Aujourd'hui, on va parler de gaspillage, mais d'un gaspillage alimentaire, avec l'opération Zéro Gaspi, organisée par le Lions Club de Rivière-Salée. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Pierre-Éric Gaillard, qui est chef de projet de cette opération. Bonjour Pierre-Éric. Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ça se passe bien. Alors, on a, évidemment, comme le temps, aujourd'hui ça va bien, demain... Demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le Lions Club dans un premier temps ? Alors, le Lions Club est la plus grosse organisation service au monde, puisqu'il est né il y a plus de 100 ans maintenant. Dans plus de 210 pays, il rayonne à travers le monde. Alors, à notre échelle, dans la Caraïbe, on est rattaché sur 4 zones. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthes. Et en Martinique, nous avons 12 clubs et donc en un peu plus de 400 membres. On fonctionne sous forme association et le but, c'est de servir la communauté à travers des causes. Donc ça peut être la faim, ça peut être le diabète, ça peut être le cancer infantile, l'environnement et notamment, puisqu'on a un cyclone qui arrive, également les catastrophes naturelles. Exact. On en parlait justement voilà. En backstage. Donc en parlant de faim, justement, vous avez lancé une superbe opération qui s'appelle Opération Zéro Gaspi. Vous avez décidé de la lancer à partir du 15 juin, qui est une date symbolique pour vous. Tout à fait. D'accord. Parce que c'est la journée mondiale de la faim. D'accord. Est-ce que vous nous parlez de cette opération, d'où elle est née, comment elle a pris naissance ? Alors, en fait, c'est une première en Martinique, hein, donc de penser à l'anti-gaspillage à travers le tourisme. Et en fait, elle est née de par un voyage personnel. J'ai voyagé en début d'année dans un logement touristique avec des amis. Et comme beaucoup de touristes, on fait des courses. On fait des fois pas assez de courses, mais souvent on fait beaucoup de courses. Souvent on en fait trop. Et avant de repartir, on doit prendre l'avion. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas embarquer dans les bagages. Donc on se dit, quoi faire de toutes ces courses ? Alors, bien souvent, on les donne. Hein. J'imagine que les gens qui sont en bateau, avant de reprendre l'avion, on les laisse au skipper. Alors, ça fait des heureux, certes. Hein. Ou alors, dans la location de voiture, les remettre à des agents. Et puis, les agents se distribuent le reste des courses ensemble. Et vous, on les avait laissés au personnel de ménage avant de remettre les clés. Mais ce ne sont pas forcément les personnes les plus nécessiteuses. C'est ça. Voilà. Et du coup, il y a une idée qui a germé dans votre tête. Ça a trotté de peut-être alors, que c'est comme ça que ça se passe ailleurs aussi. Du coup, c'est l'esprit lion qui est ressorti. À travers cette expérience, en revenant en Martinique, j'ai parlé de mon expérience à mes amis au Lions Club. Et depuis des années, on s'associe aux causes des épiceries sociales et solidaires en Martinique. Oui. Ils sont 11, ils vont bientôt être 12 aussi, je crois, maintenant, répartis sur toute la Martinique. Alors, en fin d'année, on fait des récoltes de cadeaux pour les arbres de Noël, des enfants donc issus de ces épiceries. On les aide aussi pour les denrées alimentaires à travers des collectes de denrées dans les centres commerciaux. Et on s'est dit, s'il y a quelque chose à faire, autant que ça serve, et on va ajouter cette action au profit de ces épiceries. Voilà, donc d'accord. L'idée est venue de là. Et du coup, quelle forme ça prend ? Comment vous matérialisez cette action ? Comment vous récoltez justement tous ces denrées qui sont... Notre cible, c'est les touristes. Les touristes, même si c'est une bouteille d'eau, même si c'est un paquet de riz, mais enfin... C'est quelque chose qui n'ira pas à la poubelle, en tout cas. C'est quelque chose qui n'ira pas à la poubelle. Et même si y a des choses qui ne sont pas à la poubelle et qui sont données à des personnes du tourisme, mais ce n'est pas forcément les personnes les plus nécessiteuses, mais surtout l'idée, c'est de communiquer à travers les touristes. Parce qu'on sait que... Un certain nombre de touristes sont déjà impactés, puisqu'on sait que des choses sont laissées avant de repartir. Mais nous, notre but, c'est de communiquer largement pour encore plus communiquer cette information, parce que maintenant, on met en place un réseau, on met en place une filière pour que ces denrées puissent servir à des personnes nécessiteuses. Donc, allez-y, excusez-moi, allez-y. Donc il n'est pas impossible que de toute façon, le réseau qui existe déjà, même s'il n'est pas organisé en filière, continue à profiter de ces dons, hein, au niveau des skippers, au niveau des agents de voitures. Mais nous, comme on va rajouter une communication, on va rajouter des dons et donc on va inciter pour que les touristes issus de locations saisonnières, issus de bateaux de plaisance, puissent nous remettre tout leur reste
avant de repartir à alimentaire à travers ces bornes. D'accord. Comment s'est passée l'enquête? Vous avez été voir des loueurs de meublés, vous avez été... Comment ça s'est passé? Alors, non, déjà, il fallait créer la filière. Donc, on a travaillé de concert avec les épiciers sociaux et solidaires, parce que forcément, même si c'est des denrées non périssables... C'est là qu'elles seront redistribuées. C'est là qu'elles seront redistribuées. Donc, il fallait s'assurer que cette action soit bien perçue par eux et qu'il y ait des ramassages qui soient réguliers. Parce que dans une borne, même si c'est des denrées qui ne sont pas périssables, on ne va pas laisser des pâtes, des riz toute une semaine dans une borne. Il faut qu'il y ait une rotation assez fréquente. Et puis après, s'assurer effectivement où placer ces points de collecte. Et c'est là qu'on a trouvé donc, le partenaire des loueurs de voitures, en l'occurrence Hertz, qui nous a accompagnés sur cette première le 15 juin et qui, de façon pérenne, va nous accompagner sur le reste de l'année. Alors, il n'y a pas que Hertz. Il y a Hertz aussi, Jumbo Car et puis Thrifty. L'idée, ce serait d'avoir tous les loueurs. Alors, l'idée, tous les loueurs, mais ça peut être aussi, dans notre communication, on a créé une carte de la Martinique sur laquelle, effectivement, il y a les loueurs à l'aéroport, mais il y a aussi les différentes épiceries. C'est-à-dire qu'un touriste qui est dans le Nord-Caribe ou du côté du Robert, qui est proche d'une épicerie, il peut scanner le QR code de la carte et voir où sont les points de collecte les plus proches. Donc, ça peut être effectivement directement à l'aéroport en déposant sa voiture, chez le loueur de voiture, ou ça peut être aussi directement dans les épiceries. Voilà. Donc, les bornes sont déjà existantes? Elles sont déjà existantes. D'accord. On a mis en place des bornes chez le loueur de voiture. En l'occurrence, pour l'instant, on a démarré par Hertz. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, comment vous communiquez-vous par rapport aux touristes? Comment ils savent que... Alors, on a créé sur notre site une communication sur notre page Facebook. Donc, on a une adresse Facebook qui est simple à retenir. C'est Lions Club RS, Lions Club RS sur notre page Facebook. Donc, on incite les gens à aller. Et puis, on se sert des médias, donc grâce à vous, pour que les touristes soient touchés, aussi bien médias radio, médias télévisés, médias réseaux sociaux. Et puis, on a également préalablement à la journée du 15 été à la rencontre des professionnels de tourisme lors du salon qu'il y a eu à la Galeria. Mm-hmm. Donc vraiment, on est dans une fin de communication et de séduction déjà sur cette idée de création de filière, parce qu'on en est tout au début. Est-ce qu'on pourrait penser même à une communication dans l'avion, par exemple, un partenariat par exemple avec le comité martiniquais du tourisme qui permettrait avant l'arrivée que les touristes puissent... Cette réflexion. Éventuellement, on s'est dit, mais pour l'instant, on attend d'avoir plus de pistes dessus. Mais vous savez, un touriste dans l'avion, effectivement, il a des magazines. Oui. Donc pourquoi avoir sur une des pages du magazine cette information-là, zéro gaspille, il y a une filière en Martinique chez les loueurs. Voilà. Donc on pourrait effectivement se rapprocher des éditeurs des magazines. Oui, pourquoi pas. Voilà, mettez en place des petits flyers aussi chez les loueurs ou autres, ça peut être. Alors les flyers, oui. Alors déjà même à l'aéroport, on est dans le zéro gaspille. Ils ont refusé tout papier ou toute affiche, voilà. Et puis, on avait réfléchi à des bornes à l'aéroport, mais pour des questions de sécurité, ça n'a pas été possible et ça ne sera pas possible que les personnes déposent. Déjà, les poubelles sont transparentes de déchets et c'est très, très surveillé. Si en plus, on vient rajouter des bornes où les gens peuvent déposer tout et n'importe quoi sans contrôle, ça devient compliqué. Et même dans un hall d'aéroport, rapidement aussi, ça peut être sujet de pillage ou il faudrait mettre une caméra dessus, il faudrait que ça soit sous surveillance. Donc, c'est délicat. Alors que là, chez les loueurs, on a vraiment la chance... d'avoir des lieux qui soient climatisés, qui soient sécurisés. C'est ça, plus, on a sensibilisé les personnels, le personnel d'accueil. Et le personnel d'accueil a été formé par les Lions, ça a été formé par la direction et on les prend vraiment comme des partenaires parce qu'ils sont là aussi, ils ont le contact direct avec la clientèle et ils sont vraiment des atouts pour nous pour pouvoir communiquer ces messages zéro gaspille auprès des touristes. Et du coup, il y a un ramassage tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Pour l'instant, comme on n'a pas encore multiplié les points de collecte, on a du mal à jauger la fréquence. Mais par contre, comme on ne les a pas multipliés, pour nous, la communication est simple. C'est-à-dire que Hertz est directement en contact avec un responsable des épiceries parce que les épiceries sont organisées à travers un réseau. C'est plusieurs associations, mais qui sont rassemblées par un comité de pilotage. Okay. Donc, ils sont depuis le Covid. Ils se sont organisés comme ça. Donc, pour Hertz, c'est facile. S'ils voient que la borne est un petit peu pleine, ils communiquent l'information aux épiceries et ils viennent ramasser. Pour l'instant, ça va se faire comme ça.
Après, si effectivement ça fait boule de neige et que la borne est remplie tous les jours, il faudra qu'il y ait une rotation vers l'épicerie et qu'il y ait un ramassage quotidien. Oui. Ça peut pousser aussi à de la création d'emplois. Tout à fait, tout à fait. La création d'emplois, on est dans les, quand on touche les entreprises aussi, on est sur de la sensibilisation éco-citoyen. Et ces bornes, on touche le tourisme extérieur, le touriste local aussi. Hein, tout à fait. Quelqu'un qui est sur Schœlcher et c'est puis ça. Qui passe le week-end à Sainte-Anne. À Sainte-Anne ou dans et le puis sud, qui remonte exact. Avec 2 kilos de pâtes ou un pack d'eau ou un pack de coca. Puis, ben, oui, il peut ramener chez lui, mais il peut avoir l'idée aussi du geste solidaire. Tout à voilà, fait. Du geste solidaire à se dire, bon, ben, allez, je passe à l'aéroport, déposer ça. Voilà, c'est mon acte citoyen, comme quand il fait les courses, comme il achète un peu plus pour déposer dans le caddie au profit de la banque alimentaire. Quoi. Voilà. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Ben, je dirais que... Ça m'a l'air tellement évident, et pourtant, c'est bien la première fois que j'entends. On a tous fait l'expérience de cela. Alors, peut-être aussi parce que, comme je l'ai dit, le réflexe existe déjà envers certains tourismes et les gens à qui ils donnent sont contents et justement n'ébruitent pas trop c'est et se le gardent pour eux. Ils ne sont pas forcément fiers de pouvoir se garder et se répartir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi hein, que ça ne s'est pas organisé comme ça. Alors moi, je voudrais tout simplement rassurer toutes ces personnes-là parce que nous, on communique, c'est pour que ça fasse boule de neige au niveau des touristes. Donc, ce n'est pas forcément enlever le pain de la bouche de toutes ces personnes-là et le retirer des produits. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est une belle idée en tout cas et j'espère qu'elle continuera à faire des petits. On espère. Alors oui, si on a appris que ça va faire boule de neige en Guadeloupe. C'est ce que j'allais vous parce demander. Parce que Hertz en Guadeloupe, c'est associé avec un club, je crois que c'est le club doyen de Guadeloupe, pour relayer cette action en Guadeloupe. Donc pourquoi pas dans les autres îles en Caraïbes et pourquoi pas en métropole. C'est voilà. ça. Et pourquoi, voilà. Pourquoi pas les autres Lions Club dont vous parliez tout à l'heure, mm-hmm. Est-ce que c'est possible de s'associer, oui, bien oui, sûr. Pour continuer cette opération dans les endroits mm-hmm. où vous êtes présents. Alors, moi, j'incite aussi les locations saisonnières. Oui. Et ils ont sur leur site des instructions à donner à leurs vacanciers, instruction d'accueil, instruction quand ils sont dans le logement, mais aussi instruction de départ. Mm-hmm. Donc, dans les instructions de départ, donner l'information comme quoi ils peuvent se rendre compte, se rendre sur le Facebook Lions RS, et à ce moment-là, le touriste a toutes les informations pour savoir où déposer les denrées. Tout voilà. à fait. Voilà. Et sinon, comment on peut vous joindre si un loueur de meublé souhaiterait vous contacter justement parce qu'il voit cette émission. Est-ce qu'il peut vous contacter ? Mon portable est tout à fait accessible et en plus facile à retenir. Très bien, allez-y. 06 96 910 911. Très bien, voilà. 910 911, donc pour joindre Monsieur Pierre-Éric Gaillard, qui est le chef de projet de cette belle opération. Et sinon, sur le Facebook, l'Alliance Club RS. Très bien. Voilà. Ben merci beaucoup, Monsieur Pierre-Éric Gaillard. Merci beaucoup. Chanté. Et puis, encore merci pour nous avoir accueillis et pour que notre message soit perçu soit vu par le plus large grand. Public. Avec plaisir. Merci. Merci aux Itata d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coûtez ça.